Ils perdent leur chien lors d'une balade, il est retrouvé dans un endroit inattendu. Pauvre petite Purdy et... Tout a commencé alors que Purdy se promenait avec sa famille vers 6h du matin dans un champ près de chez lui. Purdy jouait tranquillement avec l'autre chien de la maison quand tout à coup un énorme bruit a résonné. Prise de panique, Purdy s'est mise à courir dans tous les sens, s'éloignant de ses maîtres qui n'ont pas réussi à la rattraper à cause du brouillard. Le maître de Purdy a commencé à la chercher partout, sans succès. Dans le quartier, tout le monde s'est lancé à la recherche de Purdy pour tenter de la retrouver, mais rien n'a fonctionné et... Un sauvetage compliqué. Quelques heures plus tard, un homme marchait près d'un ravin quand, tout à coup, il a remarqué quelque chose de blanc et de poilu qui se blottissait au fond du ravin. Il s'est alors penché pour regarder de plus près, et a réalisé rapidement que c'était un chien qui avait désespérément besoin d'aide. La pauvre petite Purdy était coincée et ne savait absolument pas comment sortir de ce piège. Ne sachant que faire, l'homme a contacté l'ARSPCA dans l'espoir que quelqu'un puisse venir l'aider. C'est ainsi que Sarah Bagley s'est rendue sur place pour venir en aide à la pauvre Purdy. Malheureusement, le sauvetage s'annonçait compliqué. Comme rien ne fonctionnait, Sarah a décidé de bricoler un mécanisme pour faire sortir la chienne de son trou et après de longues minutes, Purdy était enfin dans ses bras. Saine et sauve. Un peu secouée, Purdy s'est reposée pendant quelques heures avant de reprendre sa vie comme si de rien n'était. Par chance, elle n'a absolument pas été blessée durant cet incident. Plus de peur que de mal.